Il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que ce qui t'appartient te donne des capacités, mais celui à qui tu appartiens te donne ton identité. Le problème, c'est qu'on nous a tous appris depuis petit à valoriser nos capacités au détriment de notre identité. Alors, on s'est retrouvé en train de faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, mais pour ne pas avoir affronté le jugement des autres, on a été contraint de suivre la foule. Je vais t'inviter ce matin à te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu travailles dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que tu essaies de gagner de l'argent? Est-ce pour assouvir certains désirs, certains besoins? Ou est-ce que tu caches un mal-être intérieur que tu as envie d'assouvir en faisant ces choses? Le problème avec l'identité, c'est que personne ne la voit. Mais à l'intérieur, il y a une soif, il y a un manque, il y a un vide. Ce problème-là a fait que des autorités se sont retrouvées avec un pouvoir de décision. Mais comme elles sont en crise d'identité elles-mêmes, elles ne savaient pas comment jouir de ce pouvoir pour le bien-être de tous. Je t'invite ce matin à découvrir ton identité, à la rechercher jusqu'à la trouver. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné au pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Donc la parole de Dieu vient restaurer ton identité première, qui est celui d'enfant de Dieu. Et à partir de là, tu comprendras le sens de ta vie, tu comprendras le sens de ton existence, et tu arrêteras de courir après les choses vaines de ce monde qui sont passagères. Alors je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie et tu découvriras qui tu es, cette merveilleuse personne qui sommeille à l'intérieur de toi et qui n'attendait que d'être réveillée. Je veux donc prier pour quelqu'un ce matin, quelqu'un qui a besoin de découvrir sa véritable identité. Je veux prier pour quelqu'un qui se pose des questions sur son utilité dans ce monde et qui est peut-être en crise, en angoisse, en dépression. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu te souviennes de mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Si quelqu'un, Seigneur, en crise d'identité, ne sait pas où aller, ne sait pas qui elle est et ce qu'elle a à faire sur cette terre, je prie que tu te révèles à elle dans le nom de Jésus. Comme tu l'as fait pour nous, comme tu l'as fait pour moi, je prie que tu touches cette personne maintenant dans le nom de Jésus, par le canal de cette vidéo, que tu puisses toucher son cœur, lui parler, car tu es près de nous, maintenant. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce et ta faveur, dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière, je crois que le Seigneur t'a touché. Et dans la suite des temps, tu découvriras qui tu es vraiment. Allez, mets en commentaire dans les messages ce que tu veux faire, ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu aimerais faire. Et nous prions ensemble que Dieu permette que tu réalises tes rêves et que tu les accomplisses dans le nom de Jésus. Sois béni, partage cette vidéo à quelqu'un qui ça pourrait faire du bien. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.